Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode de cette nouvelle série, ou potentiellement en tout cas potentiellement un épisode découverte en tout cas. Un ou deux épisodes découvertes. Donc une série, on va dire découverte entre guillemets en règle générale, sur Dragomon Hunter. Donc il n'y a même pas d'affichage au niveau du du menu principal entre guillemets du jeu. Donc on va délaisser ce caractère. Voilà. Un instant. Voilà, re, chers amis. Donc, alors, on a donc quelques classes qu'on peut voir en bas. Donc, forcément, un personnage féminin, un personnage masculin. Bon, on va partir sur un personnage masculin. On a le mercenaire, donc qui a une armure de plate, maître de la chasse et du muscle, d'accord. Ils sont les premiers sur le champ de bataille, avec galanterie et gravure. D'accord, donc ils se battent principalement à la hache de guerre qu'on peut voir ici. Ou à la... à l'espadon. Donc ils font des dégâts... burst, donc c'est-à-dire qu'en fait ils font mal mais pas tout le temps. Pas sur le long terme, enfin ils tapent de temps en temps très très fort en fait, c'est ça. Donc c'est principalement des tanks qu'on peut voir, hein, surtout. On a le mage qui lui fait aussi des burst damage. Ah non, c'est les burst damage chez Nao, pardon, excusez-moi. Enfin c'est un truc, d'accord, ok. Donc en fait on a surtout un tank là pour le premier. Un tank qui a une certaine vitesse avec des AOE assez balèzes. Là on a des AOE et du crowd control, donc du contrôle de foule. Donc les mages donc, contrôlent les éléments de la terre, invoquent le feu, la glace et la foudre pour infliger de terrifiantes AOE aux ennemis et retourner le cours de la bataille dans leur camp. D'accord. Donc spécialisation bâton, spécialisation corps de chasse, là c'est pas commun. Armure donc tissu forcément. Le clair, alors donc ne jugez pas un clair, donc une armure en cuir, ne jugez pas un clair à ses fringues. Ces enfants de la lumière, ces enfants du Seigneur de la Lumière peuvent soigner et soulager leur de tous les maux les membres de leur équipe en une seconde. Et ensuite écraser leurs ennemis avec leur puissant marteau. La confession, non, la suppression c'est mieux. Donc, spécialisation marteau, spécialisation cestus, je ne sais pas ce que c'est que le cestus. Pas du tout. Ils sont assez stylés, je dois reconnaître. Ils ont un petit côté paladin, mais bon, pas en cuir du tout. Et le scout, donc armure en cuir. Scouts boss cat-like, donc ont des réflexes de chat, de félin. Et donc des lames acérées qui ne peuvent être maniées que par leur intuition précise. Violents donc dans les combats au corps à corps. Ils passent leur temps dans l'ombre, attendant le meilleur moment pour annihiler leur proie une par une. Donc spécialisation double épée, spécialisation fusil. Double épée, il faut porter de l'armure en plate. Et ben on va partir là-dessus, nous, je pense, chers amis. Next. Hop. Donc, entrer un nom, forcément. Marcus Bonus. Avalable. Parfait. Personne ne l'a piqué entre temps. On va garder plus ou moins ce que j'avais gardé comme. Parce que ça, c'est pas du tout ce que j'aime comme coiffure. Ça fait. Garçon manqué. Ça pourquoi pas après tout. En plus il y a de la physique sur les cheveux donc c'est cool. Ok, on va mettre ça, on va rester là-dessus. Hop. On va partir sur ça. Enfin moi c'est plus ça normalement. C'est pas roux en fait, mais c'est ça qui est chiant. On va partir là-dessus, c'est pas grave. Face style. Là-dessus. Ready for this? Ah oui. Die. Vous imaginez un gamin comme ça qui vous dit die comme ça? La violence du truc. Hop. Parfait.
Et donc on a ce compagnon là, je sais pas comment on va l'appeler. Ah si, on va l'appeler, je sais comment on va l'appeler. Hop, YouTube. On va le mettre... Ah oui, je l'avais mis comme ça, parce que je le trouvais stylé. Et on va aller le mettre comme ça, voilà. Hop. Crac. Oui, classe, la classe est permanente et elle peut pas être changée. Bah oui, on confirme. Hop, et on y va. Dragamon. Bon, c'est assez compréhensible. Hunters roam this vast land in search of fame and glory. Bon, je comprends toujours pas les jeux qui choisissent de faire des vidéos en basse qualité. It is their sworn duty to seek out the most formidable Dragamon, to battle, conquer, and tame. But when they look to the stars, the hunters can sense that their fate is entwined with that of the Dragamon. Unions are a vital part of life in Elysium. Hunters in their hopalongs play starring roles in these prestigious organizations. With their trusty companions by their sides, the hunters venture forth to plumb the depths of the Neverrealms. Il y a du potentiel à mon avis. Il y a du potentiel sur ce jeu. On va voir ce que ça donne, hein, mais il y a du potentiel. Bon, allons-y. Éclatons-nous un petit peu, parce qu'il faut qu'on éclate du dragon, là. Enfin, parce qu'apparemment, tout sera du dragon. The Hippodrome. Ouais, d'accord, prologue, Family Room. Ouais, d'accord. Alors, vous débarquez du gearcopter. Et... vous secouez la tête pour tout simplement vous éclaircir les idées avant de donner de regarder autour de vous pour regarder les environs. Il semblerait que l'examen soit juste en face de vous. Vous sentez des petites bulles dans votre estomac parce que je traduis un peu plus ou moins ce que vous devrez ressentir, enfin comme je le fais. Hein. Mais l'aimable sourire du commandant de l'évaluateur, calme vos nerfs, hop, continuez. Vous ne pouvez que penser aux nombreuses heures que vous avez passées à vous entraîner. Tout ça pour ce moment. Les tests de recrutement du faucon, je sais pas trop quoi. Vous réajustez votre uniforme de recrue. Prenez une longue et profonde respiration. Et la laissez ressortir. Donc expirez lentement. En comptant jusqu'à 5 dans votre tête. Vous espérez que vous allez pouvoir y arriver. Bon, alors maintenant on va voir. Avec le prochain sur la liste, Marcus Bonus. Marcus Bonus. Est-ce qu'il y a Marcus Bonus ici? C'est toi, d'accord. Ok. Vous sortez de vos songes par la voix des organisateurs. Elle, c'est elle qui accueille donc les gens. C'est déjà votre tour. Vous avalez votre salive et rapidement montez vos mains pour signaler votre présence. Donc, montez une main pour signaler votre présence. Vous avez l'impression que votre cœur est sur le point d'exploser votre poitrine. Vous prenez à nouveau une grande respiration et allez voir la Claire. Donc là, c'est la quête. On va gagner de l'XP et du silver. Pour s'être déplacé. Ok. Talk F. Donc les voix, je les avais mis en japonais, j'ai bien fait. Vous vous présentez à Nicolas. La voix tremblant légèrement. Ah, parfait, te voilà. Tu es la nouvelle recrue scout, c'est ça? Ah, t'es tellement jeune toi aussi. J'ai pas compris.
Non. Bon, ok, j'en ai rien à foutre. Level up, d'accord, ok. Alors, Marcus Magnus, voilà, tes papiers sont en ordre. Arbalès va te donner une arme appropriée. Nicolas vous montre un de ses collègues sur sa droite. Bon, apparemment, faut que je fasse skip, ce qui est cool. Le jeu m'autorise à skip. Bah écoutez, on va skip tout le temps, on va pas suivre l'histoire, on va faire de l'action. Ce qu'il faut savoir, chers amis, c'est que j'ai mis moi-même. Alors, c'est moi qui ai choisi cette façon de faire. Je pense qu'on va l'enlever, hein. Que je la trouve d'ailleurs. Voilà. Par contre, ça serait cool que ça puisse se barrer. Hop. Voilà. Ici. Hop, les ok, on a équipé des armes. Effectivement, on a nos armes. Hop. Ici pour montrer le chemin, d'accord. D'accord. Ok. Skip. Ok. Level up. Ok. Utiliser une skill et battre le training demi. On skip. Faut pas chercher, hein, c'est pas l'histoire qui va nous intéresser. Pardon. Chic. Title. Est-ce que les titres. Maximum, voilà. Est-ce que les titres nous rapportent quelque chose? Effectivement. Ils nous apportent des choses. Go to the providing round to the south and defest free forest fungi. Ok. On y va. C'est par là. Les fungi, souvent dans les jeux, ce sont des comment des j'allais dire des mushrooms, des champignons donc. Déjà? Il y a eu un bruit bizarre. Vous l'avez sans doute entendu vous aussi. D'accord, apparemment j'y vais avec une certaine équipe. Une wyverne, effectivement. Vous voyez qu'elle a les pattes donc au niveau du des ailes. Oh la saloperie. D'accord, donc faut. D'accord. Ok. Hop, c'est assez facile. C'est assez facile pour l'instant. Ok, je l'ai eu. Pourquoi pas. Ah voilà le gearcopter donc, on a vu tout à l'heure, on a entendu parler tout à l'heure. Ouh, mais c'est que tu es stylé toi. Je t'envie avec ton bouclier, je l'avoue. Tu sembles vraiment un paladin. Oh, j'espère que c'est pas ça en fait le Celsius là. On passe.
Ah, si c'était ça le cestus, j'aurais pris ça. Je me sens mal. Talk to pilot Omi. Attends, il y a une quête là. Alors? D'accord, donc on a des points dans lesquels on va pouvoir mettre des points dans quelque chose. Ok, alors malheureusement, je ne sais pas combien de points je dois mettre. Ah bah là, bah, ouais d'accord, un seul point. Écoutez, on verra ça une autre fois. Hop. Ok, on y va. Warp immediately. Elysium. Ok. What? Ok. Talk to pilot to complete the quest. Il est là? Oui, non, il est là. Ok. Hop. Il me propose toute une tenue en fait de base. Comme n'importe quelle est, mais bon. Bon. Alors, voyons voir. Alors, ça, c'est pas ça. Ok, alors non, ça surtout pas. Ah, c'est pas ce que je veux. Alors l'interface est assez bizarre. Hein. Hop. D'accord, ça l'a équipé automatiquement. Ok, pourquoi pas. Alors, delivering toast to Primrose, to Norman, bah écoutez, ça va être très très rapide, il suffit de cliquer sur le truc pour que ça se déplace tout ça. Hop, bonjour. Ok, de deux. Irashaimase. Ok. Techniquement, nous voilà bon. Alors déjà au niveau de l'interface, j'ai quand même plusieurs choses à redire. Au niveau des régions en elles-mêmes, j'aimerais pouvoir, je pense que c'est faisable. Au niveau ici. Bonjour, merci. Oui, j'aimerais l'équiper, merci. Hop. Il me propose des gants. J'aimerais. J'aimerais, si possible, qu'il m'enlève tout ce qui est bordel à l'écran. Voilà, player name. Hop, déjà ça. Ensuite, les titles. Déjà au niveau de ça. Ok, donc c'est pas encore suffisant. Guild name, guild emblem. NPC, si les NPC name, on peut les garder. D'avoir tous les noms autour de moi, c'est chiant. C'est vraiment anti. Oh bah d'accord, ça va, tranquille. Ah, mais ça me bloque même. Ah bah non, d'accord, il faut que je clique dessus, d'accord, ok. Donc tu vas gâcher la spectro, ok. Et cool, ta vie. Oh, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ok, par contre j'aimerais savoir pourquoi. Costume, il y a des costumes. Sérieux? Hop. Baby step, d'accord, there and back again. Find objective, d'accord. Hop, raté. Putain, par contre la caméra est hyper stylée. Hop, 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 hop. Hop. Hop, hop, hop. Dommage. Level up. Ok. Encore une fois, en fait, c'est vraiment ça. C'est comme dans le jeu d'Aria Games. Seulement, on rentre dans le. Dans le. Comment que ça s'appelle de. Dans le. On rentre dans une ville, dans un hub, c'est le bordel. Hop. Auto-warping, d'accord, bah pourquoi pas, écoute. En tout cas, ça va assez vite, vous voyez, comme beaucoup de quêtes d'Aria Games, encore une fois. Tout ce que vous faites est très, très, très. On vous donne vraiment la main, littéralement. Y'a pas d'autre terme. Hop. Sympa. Ah, elle est de ma classe. Elle me traite de bleu, et putain. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Par contre, c'est dommage que du coup la tenue ne soit pas celle. Enfin bon, pourquoi pas. On y va. Skill. Moi, je vois un truc, mais. Oui, d'accord, en fait les skills, en fait on enchaîne ces skills là, en fait les trois premières skills on les enchaîne avec la touche. J'aimerais bien taper un gros. Tiens, il est tout seul celui-là, hop, boum 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 boum. Et bam, dégage. Parvaz. Aïe. Au combat. Ça l'a pas tué, merde. Continue. Là. Voilà. Talk to Agatha Spectral. Complete the quest. Allons-y. On essaie de nous donner des conseils, des astuces, mais je comprends pas trop des masses à quoi ça me sert. Oi, Shinjin. Nan.
Ok. Tame ferocious Dragamon. And ride off into adventure. In the land, sea and sky, tame them all. Ouais. Unbelievable variety. Over 100 Dragamon waiting to be conquered. Dragamon Hunter. Ça vous arrive souvent de faire la promotion de votre jeu dans votre propre jeu? Enfin, je sais pas, ça me semble un petit peu. Oh. D'accord, j'ai un chocobo rose, bah écoute, pourquoi pas. Apparemment au niveau des skills, j'ai obtenu quelque chose aussi. Swift Strike, en 3. D'accord. Alors. Bonjour. Donne-moi mon armure, merci. Encore faut-il trouver l'interface? Ah si, il est là. D'accord, elle est là, l'interface. Bah il est mignon. Ok, 5 points de disponibles. Toujours la même gueule, j'ai toujours la même gueule, c'est pas grave. Ok, on y va, on se déplace. Ok, on va l'aider un petit peu, hein. Le pathfinding est pas génial. La bande son musicalement est pas trop mauvaise. Au niveau par contre des sons, j'ai l'impression en eux-mêmes qu'ils sont assez pauvres. Waouh, il y a des beaux trucs, hein. Oui, je te le dis. Attrasie recipe obtenir, Kayo. Lucky. Est-ce que j'ai quelque chose de nouveau dans l'inventaire? Actuellement, rien. Alors, juste pour voir, comment je suis censé pouvoir voir? Ok. Hop! Ok. Et ok. Alors un système de craft nul, faut le dire, hein. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Ah d'accord. Oui. 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 Ok. Ça ne change pas du tout la gueule de mon personnage. Puisque tout passe par l'outfit. D'accord. Pourquoi pas. On va pouvoir changer son armement, même pas. D'accord, c'est très bizarre ce qui vient de se passer. Alors juste pour voir, je vais quand même aller voir. Système.
Si. Un Abyssal Crab Shell from Abyssal Crab. Allons-y. Alors, par où est-ce que c'est ? Voilà. D'accord. Allons-y. Battre, écoute. Je vais te défoncer. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh. D'accord. Oh merde. Respectez mon autorité. Bah oui, après tout, ça one-shot tout le monde. Gathering. Wind Rose Dragoside. D'accord. Et... Oh, c'est warp. Ouais, c'est pas un jeu aussi fun que ce que j'avais pu imaginer. En tout cas pas pour le début. Bon, il y a certains aspects qui sont intéressants. Hein. Vous voyez, par exemple, là, il a popé directement la monture, pardon. Pour me rendre directement chez le donneur de quête. Skip. Hop. Alors. Look for pals. On trouve des choses particulières apparemment. Ok, j'ai gâché mon arme. All
Ride Me Like the Wind, ok. Nouvelle capacité, pourquoi pas. Cool, j'ai obtenu celle-là. Je sais pas si c'est cool, mais bon. Ça doit être là. Ah bah si simplement le fait de cliquer me... Ok, ça a l'air assez simple au final. Il suffit de cliquer sur le truc pour que ça y aille tout seul et que ça le fasse. On peut faire tout strikes. D'accord, intéressant. Bonjour. Mission clear. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Ah, peut-être un petit problème au niveau de ça. Hein. Franchement, c'est des toutes petites quêtes très rapides. Hein. Pour l'instant, c'est bien pour ceux qui font du casual gaming, mais bon. Ouais. Si tu le dis. Faut que je prenne celle-là. Bonus au centre de Kirio. Torénisre. Presse contrôle tout prévu, d'accord. Ok. C'est les mêmes. Okay. Hop. Ok. Donc tout cas, à l'intérieur, tu complètes le quest. Les stats, par contre, ça monte. Alors. Ils sont équipés. Oh, intéressant. Oh là, ça encore un petit truc. Copper Iron Vein. Ok. Alors. Ok. Allons-y. Tuons des bébés. Quoi ce bébé? Ok, allons-y. Deux fois. Voilà.
sont les autres? Hop, j'ai fait un œuf, je crois. Je prends des choses, je sais pas à quoi ça me sert, ça me remplit mon sac. Backpack. Vous voyez ? Ok. Ouais. Bah, c'est une petite déception, il y avait du potentiel et... Je sais pas. Quelque chose qui marche pas. Je sais pas, il manque quelque chose, c'est con mais... Bonus au syntax de Kiri. Tore-ni-sure. Ouais, je suis déçu, je l'avoue. Je suis énormément déçu. On n'a pas envie d'explorer la zone. Comment c'est possible ça qu'on n'ait pas envie d'explorer la zone? C'est triste. C'est un peu triste, je trouve. J'ai pas du tout envie d'explorer. Hein. Juste envie d'avancer parce qu'il y a, il y a pas d'intérêt pour l'instant. C'est vraiment très bizarre. Non, non, pas abandonner. Ouais. C'est con, il y avait un véritable potentiel sur ce jeu et au final il est détruit. Le potentiel, hein, je veux dire, pas le jeu. Le jeu peut encore s'améliorer bien sûr, mais pour l'instant le jeu n'est pas bon. Et en fait il ressemble à tous les jeux Area Games qui sont... Il leur manque quelque chose. Bonus au syntax de Kiri. Tore-ni-sure. Je sais pas. Akamono a genki de naku. Ouais. Eh ben écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Je pense pas qu'il y aura une série dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom, nous faire trouver les liens dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo découverte, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens.